Bienvenue dans notre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Doja Ndiaye, c'est parti. La nouvelle collection colorée pour les vacances. Une lettre d'amour à votre corps, qu'est-ce qui est propre à la période estivale, hormis la plage, la crème solaire et les coquillages. La célèbre marque congolaise de l'entrepreneur Anifa Mbwemba a donné quelques pistes avec sa nouvelle collection de 6 pièces capsule 3. La créatrice la décrit à bien des égards comme une lettre d'amour à son corps. Toutes les femmes dans toute leur diversité trouveront tenue à leur taille. En termes de couleurs de pièces, nous pouvons découvrir avec satisfaction de l'orange vibrant à des lilas douces, des notes de vanille et des touches de sarsale et de vert. Toutes ces teintes se marient extrêmement bien et créent la palette parfaite pour les teintes de peau riches et profondes. Si vous recherchez des tenues pour accentuer votre silhouette, vous serez bien servi. La pièce favorite de la rédaction n'est autre que la maxi robe Nadia, en raison de ses découpes détaillées à la taille, exposant l'ouverture du dos. Inutile d'en faire trop pour accessoiriser, elle incarne une robe accessoire, source, elle, Côte d'Ivoire. 5 articles de vêtements pour hommes que vous devriez voler immédiatement dans le placard de votre homme. Mettons les choses au clair, ce qui est à lui est à vous. Techniquement, ce n'est pas du vol. N'est-il pas ironique que certains vêtements pour hommes puissent facilement se fondre dans les vêtements pour femmes? Les vestes de smoking surdimensionnées de votre homme qu'il porte au dîner pourraient être les vêtements d'extérieur parfaits qui vous manquent cette saison. C'est exact, en plus de rehausser tout un look décontracté, les épaules créent l'illusion d'une silhouette plus longue. Portez ce look avec un short, un jean, un pantalon en cuir ou un t-shirt classique comme Angel ou Basie pour une ambiance parfaite ajustée. Le jean boyfriend, ah, vous voyez maintenant d'où vient le nom. Il n'y a pas de meilleur endroit pour acheter le jean boyfriend parfait que dans le placard de votre homme. Cet article pour homme est essentiel de la garde-robe qui peut donner à n'importe quelle femme un look chic sans effort. À porter avec des talons et un chemisier ample en col V ou des blazers. Des chaussettes, si vous n'avez pas déjà volé toutes les chaussettes dans une feinte tentative d'être frileux, alors c'est le moment. La nouvelle tendance consistant à porter des chaussettes sur des sandales à talons et chaussures ne devrait pas vous laisser de côté. Droite, allez-y, nous sommes solidement derrière vous. La chemise boutonnée oversize. Enfin, vous appréciez la grande taille du corps de votre homme. Ces chemises boutonnées sont sur le point d'être stylées à plus d'un titre. Ils peuvent être portés seuls ou avec un pantalon en jean, sur des talons ou des baskets. Quel que soit le style que vous choisissez, vous ne pouvez pas vous tromper. Une montre bracelet en or. L'un des articles pour hommes les plus utiles à ajouter à votre archive d'accessoires est sa montre bracelet en or, silage ou poignet. C'est toute l'idée, portez-le comme un bracelet ou superposez d'autres pièces unies. Ibuka, Obi ou Shendo a porté cette énergie de gangster au premier spectacle d'expulsion en direct, hashtag bébé Nadia Shine Ya Eye. C'est enfin l'heure de la saison Shine Ya Eye. Le premier Big Brother Nadia saison 6 Live Eviction Show a eu lieu le dimanche 8 août et Ibuka Obi Uchendo est venu apporter à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles aux colocataires qui se sont rendus à la même dernière et ceux qui ne l'ont pas fait respectivement car il a également présenté les nouveaux colocataires qui se joignent au spectacle de cette saison. Le noir dégoulinant d'or de Shane
en or et de gris. C'est ainsi que la créatrice May Atafou décrit le look de gangster vestimentaire d'Ebuka ce soir et nous ne pouvons qu'être d'accord. Avez-vous oublié qu'Ebuka a toujours des paroles de sagesse pour chaque émission d'expulsion? Eh bien, il s'y remet aujourd'hui, il dit « Vous n'êtes pas en mesure de presser l'arc-moite d'eau débit et que vous ne faites pas, alors attendez avec impatience l'avenir et shine ya aïe !» 5 types de soutien-gorge pour bercer cette robe d'eau nue sexy. Le soutien-gorge transparent à bretelles. Un soutien-gorge transparent à bretelles ne déçoit jamais. En fait, dans la plupart de ces cas, les personnes qui sont le plus grand côté préfèrent ce soutien-gorge car il est toujours aussi bon que le soutien-gorge normal. La seule différence est que le dos est transparent et peut être montré ou vu ou tout en restant à la mode. Le soutien-gorge adhésif. Certaines personnes ne se sentent pas à l'aise avec des soutiens-gorge de peur qu'ils ne tombent à cause de l'adhésif utilisé. Mais il est conseillé que la plupart des personnes qui l'utilisent, le soutien-gorge adhésif, et qui n'utilisent que lorsqu'elles enfilent une robe sans dos très serrée. De cette façon, la robe aide à maintenir le long de gorge, le long de l'adhésif, problème résolu. Les bonnets. Autocollants invisibles, les bonnets autocollants sont très similaires aux soutiens-gorge adhésifs. La seule différence, c'est la couleur. Cela vient dans la plupart des couleurs nudes, des couleurs qui correspondent à votre peau. Il est toujours maintenu près du sein à l'aide d'adhésifs et il est également parfait pour bercer cette robe d'eau nue. Le soutien-gorge joli d'eau. Maintenant, ce genre de soutien-gorge est destiné aux audacieux. Il est également conseillé, lorsqu'on veut opter pour un joli soutien-gorge dans le dos, de se procurer des soutiens-gorge de la même couleur que la robe. Les pastilles faciles à porter. Les pastilles faciles à porter sont littéralement géniaux pour les décolletés plongeons, les dos très bas et les épaules à lanières. Avec ceci, tout ce que vous avez à faire est de coller sur le sein et vous êtes prêt à partir. Assurez-vous que la robe est bien ajustée au buste afin que les seins soient confortables dans leur palais là-haut. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodian Yaye. À la prochaine. Et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye.